Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers bilibidouilles? Ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour le retour du beau du groupe coréen Tempest qui nous illustre tout simplement en AMV pour leur titre Bravest, B-A-Vior, désolé si je prononce très mal. Et il faut savoir que le titre est sorti tout simplement sur les plateformes fin janvier apparemment. Je suis la seule qui n'était pas au courant, je pense. Mais avant de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers, mes amis. Roulement de tambour. J'ai envie de te dire. Et générique. Ce titre me fait penser à. Allez. Comment il s'appelle ce groupe encore? Pentagon. Est-ce que c'est une reprise ou quelque chose de complètement différent? Franchement, je sais pas. Quand je vois le truc ici, ils mettent TV Edit Version. Est-ce qu'ils ont fait une sorte de... Je sais pas, moi... je pense que c'est pour un comeback japonais, mais je suis pas sûre. C'est pour une spéciale émission, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais pas être renseignée plus que ça, je vous avoue. Vous m'entendez parler, je suis vraiment bien congestionnée, encore pire que ce week-end. Je suis vraiment liquéfiée comme une compote. Aujourd'hui, j'ai dormi que une heure. Deux maxi, peut-être même pas. Je voyais les heures tourner, donc je suis vraiment épuisée. Mais je me suis dit, Mel, donne-toi un coup de fouet. Tu te lèves, tu t'occupes de ton fils. Allez, tu fais ce qu'il faut. On fait le repassage. Tu filmes tes vidéos et à voir pour le montage après si tu es opérationnel ou pas. Mais au moins, t'auras filmé. C'est déjà ça. C'est plus chiant de monter et puis poster. Ben, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, ma vidéo du jour, c'est. Pas terrible. Vraiment, je suis une compote aujourd'hui, clairement. En tout cas, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Moi, je travaillais ce week-end, donc avec mon data, c'était pas évident, mais ça a été entre guillemets. Et je vous souhaite un bon lundi pluvieux. Bah oui, parce qu'il pleut ici, comme d'habitude. Faut pas changer. Allez, c'est parti, let's go pour Tempest. C'est pas mal ça, hein. Ouais, c'est quand même pour un comeback japonais, je pense. Hein. Non, j'ai bien une chanson pour probablement. C'est juste que le titre me faisait penser à Pentagon parce que c'est un peu similaire avec ce qu'ils avaient fait pour King Roi to Kingdom. Désolé. Ils sont tellement jeunes mais tellement doués à la fois. Oh. Bon, on a plus une performance vidéo et tu les vois parfois en solo, mais je m'admire dans ce miroir. Oui, je suis peut-être très bas et très malade, mais je peux toujours avoir mon humour de merde, hein, les gars. Voilà, une autre parfait. J'aime bien. Leur logo derrière. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont toujours foncés, enfin, ils sont toujours habillés dans des côtes blanc, noir et gris, et ça apporte cette couleur, ces néons, ce côté rouge et bleu, cette luminosité dans le MV, donc c'est sympa. Oh, ce côté comme... Ah, j'arrive pas à le faire. Ah, j'aime beaucoup leur, leur couleur de vêtements là aussi, c'est très joli. C'est un peu rose noir là, son pull, c'est très joli. Avec tous ces écrans derrière qui font. Kemen! Kemen! J'arrive! Ah, ils ont l'âge d'être mon frère, quoi. Bon, il n'y a pas de sous-titres.
Il parle de comportement. Ah, mais je l'ai pas vu venir, ça. Ça y est, on a une période claquette ici. Ta 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 bam bam. Oh. Avec ses flammes à la fin. Il mérite tellement plus de visibilité, ce groupe. Mais il mérite tellement plus de visibilité. Vous avez vu cette tuerie quand même au niveau musical et la chorégraphie. Bon, on avait plus un MV performance, mais ça m'a pas dérangé du tout. J'ai adoré la chorégraphie qui envoyait du lourd. C'était vraiment le feu. Cette synchronisation parfaite, ça m'épate toujours autant. J'aime beaucoup le fait qu'on ait vraiment ce côté très foncé, noir au niveau des pièces, mais même au niveau vestimentaire et de temps en temps des touches de couleur. Mais surtout ces néons qui donnaient cette autre ambiance vraiment électrique. J'ai compris que ça parlait de comportement, voilà, hein, les sous-titres, ils mettaient chaque fois comportement, bah ouais. Alors je déteste cette chanson, hein, mais voilà, quand tu l'entends parfois à la radio. Donc voilà, on a une très bonne chanson qui est quand même relativement pop, mais un peu électro. Non, franchement, je sais pas quoi dire de plus. Allez, les soutenir, ils le méritent tellement. Très 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 beau comeback, même si le single est sorti fin janvier et qu'ils ont sorti seulement le MV maintenant. C'est pas grave, on veut mieux tard que jamais. J'ai beaucoup aimé aussi cette apothéose à la fin, ce côté un peu son trompette là, qui fait ce côté un peu oriental. Et puis ce clap de fin avec ce feu, comme si en fait ils veulent dire on va vous chauffer la scène ici. Ouais, en tout cas, au niveau de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et au niveau du visuel, vous avez leur fameux logo. J'aime beaucoup le fait que ça a été comme une bombe à peinture dans les rues, leur nom de scène et également le nom du single sous un fond noir un peu décrépit. Bon, voilà, c'est sympa quoi. Et vous, mes chers amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme vous avez apprécié ce single de la part de Tempest, que ce soit le visuel de celui-ci, ses néons de couleur, mais également la chorégraphie. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.